sommes repartis pour ce vidéo défi. C'est une deuxième partie. C'est un peu une surprise parce qu'on avait dit qu'on arrêtait tout, mais finalement, on n'arrête pas tout. On n'arrête pas tout et on va faire ce deuxième niveau avec autant de panache. Et on va y arriver. On a fait une pause de 3 heures là. Voilà. On s'est fait masser par de jolies prostituées et c'est reparti. Allez, Donkey Kong est vraiment en forme. Allez, on y va. Allez, j'espère qu'on va. Que cette fois, Oliver Plasma va. Réussir à finir ce niveau enfin. Vous savez, voilà. Vous savez Firefly, des fois on recommence le niveau et on le finit en une fois. Hein. Alors que avant on avait galéré, là ça se trouve je vais réussir du premier coup. Alors voilà, l'objectif de ce nouveau défi c'est de bien sûr de terminer tous les niveaux au cas et il n'y aura pas de contraintes ni de temps. Non, comme fun, on va faire tous les niveaux. Voilà, comme la première partie. Parce que c'était vraiment trop dur pour Oliver et. Voilà. Ah, et c'était trop dur. Ouais, ça commence déjà. Deux vidas. C'était trop compliqué, fait mal. C'était trop compliqué. Oui, parce qu'en fait, on est ensemble et Cranky Kong est déjà mort. C'est déjà bien. Car Cranky Kong me gêne un peu. Oh, une pièce de puzzle. J'aime les pièces de puzzle, mais je pense pas que je vais les récupérer ici, parce que c'est pas terrible. C'est déjà ultra hard de finir le niveau, donc les pièces de puzzle en plus, c'est une autre affaire. Oh là là. La concentration là, Firefly ne dit plus rien. Est-ce que c'est lui qui est aux commandes? Non. Non, je rigole. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas, car Firefly joue à des jeux beaucoup plus humains, beaucoup plus nature. Je rêve ou t'es en train de faire une grande surprise là? Oliver Plasma va-t-il réussir? Ah, on dit pas ça, ne dites pas ça. On est encore à la moitié du niveau, Oliver, donc concentrez-vous. Oh oui, c'est déjà bien ça. Oh purée. Ah! Fireflav est sans voix, il dit plus rien. Ça fait vraiment mal, c'était trop clair. Bon allez, il va prendre son envers, attention, papy Moujo. Oulala, il va faire un câlin. Allez, regardez, 3, 2, 1, câlin. Et voilà. C'était pour le fun. C'était pour le fun aussi de tomber. C'était toi qui contrôlais, Oliver. Ah, mais non. Attention, je vais faire tout seul, ok? Non, je vais faire tout seul. Oh yeah, Firefly pour une fois a réussi. Ah non, c'est parce qu'il est sur mon dos. C'est autre chose. C'est quand même bien hard. Hein. C'est pas fait pour jeu. Je commence déjà à abandonner. Mais j'abandonnerai pas. J'irai jusqu'au bout car là il est minuit mais. Non, je rigole. Tant que tu auras deux mains et cinq doigts. Il y arrivera. Ah, mais ça m'a stressé le Cranky Kong qui est tombé. Ça ouais. M'a stressé. Parce qu'il est tombé avant moi et voilà, ça m'a stressé. Non, Cranky Kong reste sur moi. Il vaut mieux. Car Cranky Kong va okay, bah, je vais lâcher la manette. Voilà, et il va commenter avec nous. Ah là là, ah là là, ah là là, ça fait mal. Et regardez le gros hibou. Il est aussi gros que ma grand-mère. Et ça fait vraiment plaisir de voir des aussi gros hibou. Car ça contribue à la diversité de notre planète. D'accord. Son sprite est énorme, voilà. Tiens, j'ai une crotte de nez. C'est la classe. Bon, je vais la mettre sur. Tout a un rapport avec la vidéo. Non. Ah là là, à chaque fois. Mais garde ton calme, mon petit. Allez, on y croit encore. On est déjà à 4 minutes. Mais ouais. Bon, y a pas d'objectif de temps, mais c'est quand même bien de finir vite ce deuxième niveau. On a déjà assez galéré avant. On a bien géré au premier, mais là, au deuxième, c'est la catastrophe. Ouais, ça sent le casse-croûte, là, c'est plus dur. C'est plus la même récré, quoi. Oh là 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 là. C'est la concentration du singe. Ne dites plus rien, Firefly. Ne dites plus rien. Oh, magnifique ce reniflement. Le reniflement à la fire.
putain, il voit carrément du feu qui sort de son nez. Ah là là. Hyperplasma. Je suis au fond du stick, moi. Je suis au fond du stick. Oh là 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 là. Il l'avoue. Il l'avoue en plus. C'est un mec qui avoue tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là. C'est pas mal. Excusez-moi, chère téléspectatrice. C'était une parenthèse. Non. Oliver Plasma, il continue, attention le Mars. Putain de... En plus, vous avez sauté trois fois sur le Mars. Pourquoi je l'ai pas fait? C'est le stress. Ah voilà, Oliver Plasma parle comme une tapette, c'est normal. C'est le stress. C'est le stress. Non mais là... Oliver Plasma, j'ai quelque chose à vous dire. Oui. Est-ce que je pourrais contrôler... Cranky Kong. Tout. Cranky Kong. Oui, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas. Bon, comme il n'y a plus d'objectif de temps, je pourrais essayer. Comme je vois que vous galérez comme... Vous allez encore plus galérer. Mais c'est pas grave, c'est une expérience comme une autre. Non, nous allons pas mettre encore plus de temps. On a déjà mis un peu trop de temps. Et la caméra qui est partie en folie, là, parce que Cranky Kong s'est sauvé de... Du dos de Donkey Kong. Sachant qu'on a plus que 65 vies, alors il y a peut-être une fin à la vidéo défi quand même. Si on a plus de vie, bah... Oh là là, il se suicide encore, il aime bien se suicider. Il aime se suicider. Mais qu'est-ce que... J'ai pas pu sauter trois fois sur le hibou. Pourquoi? Je ne comprends pas. Oh là là, Firefly, on sent sa technique là. Là c'est Firefly qui contrôle, hein, vous savez. Eh hey, ouais, j'ai vraiment la classe quand je commence à jouer, attention. Ouais, il a vraiment la classe. Oh purée. C'est vraiment... C'est hard. C'est pas la même récré que le premier Donkey Kong Country Returns. Ouais, mais en fait, c'est ce genre de niveau, il est vraiment pas fait pour jouer à deux, en fait. Non. C'est peut-être fun le mode de joueur, mais il est pas dans ce niveau. Non, non, là, vu les plateformes et le temps que les plateformes durent, c'est impossible. Hein. C'est pire qu'Astérix et Obélix, hein, faut le dire. Pire que Infogram? Non. Je savais pas que ça existait. Ram, c'est mythique hein, quand même. Pour des plateformes qui. Des plateformes qui n'en sont pas. Des ennemis qui vous touchent à 3 mètres de distance. Des épées hyper trop courtes, voilà, c'est Infogrames. Infogrames dans leur pur style de jeu pourri. Oh, Oliver Plasma, attention le retour de Papy Mouzo. Attention, il va arriver Papy Mouzo. Oh oui, bien joué. Non, ouais. Pas le retour de Papy Mouzo. Il a fait un beau geste là, Papy Mouzo. Oh oui, je sens la fin. Oui. Non, j'y crois pas là. Non, c'est un rêve. C'est un rêve. Papy Mouzo de retour. C'est un rêve. Exceptionnel. Nous avons fini le deuxième niveau. Mon Dieu. Mais nous allons faire plus de 10 vues. C'est exceptionnel. On se serre la main, mais c'est pas fini. Il y aura le troisième niveau. On continue. C'est vraiment du WPTF, ouais. Ce qu'on fait quand même comme vidéo. Mais j'espère que ça va pas trop durer longtemps, car je veux jouer à Astérix et Obélix après. Ah, c'est son jeu mythique. Voilà. Alors, continuons dans le niveau 3. Vous vous rendez compte qu'on est qu'à la moitié, même pas en plus. Ça présage rien de bon. Et il y a combien de niveaux? 7. Il y en a 6, mais le monde 7, je le ferai tout seul peut-être. Ouais. On le fera plus tard, puisque là, non, on pourra pas faire tout. En solitaire. Vous avez vu cet homme? Il a réussi. Et à côté Fireflav, il a parlé, il a commenté, et j'ai donné toute ma passion dans ses commentaires. Voilà, et maintenant on peut se la fermer parce que c'est bien ridicule. Et je pense que dans ce niveau, je vais pouvoir jouer, non? Allez, avance. Allez, Cranky Kong, suis-moi. Le troisième niveau, en direct de la martinière. Là, c'est que la découverte, là, maintenant. Oh là, ça stresse. Oh là là, des plateformes qui bougent comme ça, ok? Alors ça nous donne... Ah oui, ok, faut pas trop rester sur la plateforme, sinon... Est-ce que vous avez déjà fait ce niveau, Oliver? Non.
Ça, je suis en train de découvrir des ça boucles. Ça présage rien de bon. Mais ce début de niveau ne me semble pas si compliqué que ça. Enfin, espérons que ce soit comme ça jusqu'à la fin. Oula. Ah, c'est quand même... Il n'y a pas de cœur, il n'y a jamais de cœur dans ce genre de niveau. On ne peut pas ressusciter, on ne peut pas régénérer notre vie. C'est compliqué. Oh là là, faut se baisser. Oh là là, et là c'est la concentration, faut pas aller trop vite. Le retour de Papy Mojo. Faut jamais aller trop vite dans ce genre de niveau. J'ai rien compris. Oh, Papy Mojo. Papy Mojo. Papy Mojo. Non, on n'avance pas. Oh oui, oh oui, oh oui que c'est beau. Oh, Papy Mojo, attention. Non. Mais Papy Mojo, non, non, vous avez vu ça. C'est exceptionnel, mon dieu. T'as vu un peu? Le retour de Papy Mojo, le sérieux. Le retour de Fire Family. Le retour de Cranky Kong. On voit que c'est un niveau qui est... Non, saute même, qui est quand même plus de joueurs. Hein. Papy Mojo, là, ah, là, on joue mieux, là, on joue mieux. Là, bah, ça sent l'équipe passion. Ça sent l'équipe soudée, là. Ah, c'est, ça sent, franchement... L'aventure là, on sent qu'on va bien avancer là dans ce niveau. Oh là, Papy Mojo qui... Oh là 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 là, ça fait mal quand il perd. On sent que c'est avec plus pas un niveau au niveau du skill, mais un niveau où il faut plus réfléchir, avec des plateformes qui bougent dans tous les sens. On réfléchit dans les jeux vidéo. Bah oui. Ah ouais. Là par exemple, on fait gaffe, on se dit, mais est-ce qu'il faut que je prenne cette plateforme là, ou est-ce que je dois prendre cette banane? Cette banane est peut-être empoisonnée. Ah, il y a déjà une pièce de puzzle, c'est déjà pas mal. Pièce de puzzle. Je sais que vous vous en foutez du puzzle. Non? J'aime pas les puzzle games, mais bon. Bon bah, Papy Mojo est mort, mais on va l'attendre sagement. C'est parti! Oulala, là, là, là. Attends, ouais, top! Top! Oh, 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 quel professionnalisme! Top! Oh! C'est le niveau avec les tonneaux. C'est quand même facile. C'est la concentration. Ouais, c'est sûr que ce niveau-là, oula, il bouge quand même dans tous les sens, mais on sent quand même que c'est quand même du recyclage et que. On connaît quand même très bien les tonneaux dans les Donkey Kong, tout simplement. Bonjour de retour. On a l'habitude des tonneaux là. Oh là là, ça sent. Oh, ça sent le niveau putain, relou. T'aurais dû me régénérer. Ça sent le niveau relou. Le niveau de Bolos. Si on il faut vite le finir. Faut pas traîner sur ce genre de niveau qui est quand même plus facile. Bon, je garde le tonneau parce que je sais que. Putain, voilà. Pourquoi t'as sauté avant? Je sais que tu vas perdre une vie. Allez, t'es mort. Voilà. C'est magnifique. C'est quand même quelque chose. Oui, parce que quand on balance un tonneau, quand on balance un tonneau juste comme ça et que Cranky Kong est mort, et bah, il peut être ressuscité sans payer une vie. Et ouais, c'est la petite chose à savoir. Parce que grâce à mon expérience du premier Donkey Kong Country, ouais, je joue comme une merde. Hey, tu parles d'une expérience, vous parlez d'une expérience. Mais si, on va continuer. Ce niveau, franchement, me semble vraiment plus simple. J'ai envie de jouer à Astérix et Obélix. Il y a juste à se concentrer. Bon, j'ai pas Astérix et Obélix chez moi. Mais il est gratuit. C'est un jeu gratuit. C'est un jeu pourri. Redis ça un peu. En plus, on a failli faire une vidéo test, mais il n'y avait pas d'image, donc ça a bugué. C'était pas terrible. Il n'y avait pas d'image. Ah oui, on avait filmé avec Fras. Ah, ouais. Oh là là. Ce niveau me semble quand même pas mal au niveau du level design. Il y a juste après avec les tonneaux, c'est quand même du classique. Eh oh, putain, mais attends-moi là. Allez, j'aurais dû. Eh ouais, mais si tu baisses, si tu m'attends pas, tu perds direct. Tu veux que je t'explique? Si je t'attends, je gagne direct. Mais non. Mais oui. Il faut réfléchir dans la vie. Non, en fait, si je t'attends, eh ben je perds plutôt. Je vais dans les pics et. Vaut mieux sauter là et attendre que le manchot arrive. Voilà. Allez, vas-y. C'est trop. Elles vont trop vite, ces plateformes. Vas-y, cours, Papy Mojo. Et pour la petite info, Fireflav est obligé de faire le maboule pour faire venir le tonneau. Il est obligé de faire bouger sa télécommande, oui, comme un gros malade. Ce qui s'appelle de la branlette... comment il disait déjà? De la branlette Wiimote. Je sais plus comment il disait déjà. Comment je disais sur Wii. Papy Mojo, il est toujours là, le Papy Mojo. Où il enchaîne le Papy Mojo. Il enchaîne, oui, il enchaîne les morts. Ouais, mais c'est pas grave, ouais, il faudra toujours regarder, il est excité. Oh, je pense qu'il y a plus trop de Viagra. Non, mais je crois que vraiment on a pété un cap parce qu'on fait que de perdre, quoi.
Allez. Et c'est Oliver Plasma aux commandes. C'est bien joué. Ah là, c'est moi, hein, parce que vaut mieux pas que ce soit Papy Mojo. Mais oui, il manque un peu de précision, ce Papy Mojo. Ouais, un peu. Beaucoup. Bon, un tout petit peu. C'est déjà la fin du niveau. Oh, attention au truc au pic, là. Attention. Putain. Là, faut faire gaffe. Pourquoi j'ai des trucs au pic, c'est électrique, enfin c'est pas grave. En fait, quand on est deux, on voit moins bien et donc... Tu vois... Ah, j'avais même pas vu. Putain, t'aurais dû... Ah, non, mais en fait, Fire Flame reste sur mon dos. Il ne reste plus que 51 vies, amis téléspectatrices. Ouais, mais on en récupère à chaque fois. Ah oui. Ouais, mais 51, ça décide. Bon, t'es trop long, hein. C'est comment pour revenir à toi? Non, mais tu reviens à moi tout seul, là, au bout de quelques secondes. Ouais. Attends. Là, j'attends. Je saute comme un manchot. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Papy Mojo? Il sort de... Papy Mojo, il sort de nulle part, encore une fois. Oh là là, oh il est toujours imprévisible, là. Toujours imprévisible. C'est ça, sa force, c'est ça, sa vraie force, je pense. Oh ouais, Papy Mojo qui continue... Ouais, qui tombe. Il continue de perdre des vies. Je pense que je n'aurai plus de vie à cause de Papy Mojo. Mais c'est pas grave, c'est pour le fun et pour la difficulté. Pour rajouter du piment. Jouer avec Papy Mojo. Et c'est ouais. Alias Fireflame. Yes, Fireflame. Le fire est dans mon slip. Oui, on le sait depuis le début. Allez, c'est la fin de le feu est dans le caleçon pour les intimes, exactement la phrase. La phrase culte. Putain, j'arrive pas à la fois une phrase culte, à la fois une phrase débile. Attends, je peux te prendre là pour l'instant, parce que là, ce passage est assez chaud. Donc voilà. Lâche-moi. Ah purée, c'est pas facile d'amadouer Fireflame. Mais non. Oh Papy Mojo, oh là là, il a fait quelques mètres tout seul Papy Mojo. On y croit ensemble. On est en direct sur la chaîne Oliver Flav et on y croit. Mais non, j'aurais dû jouer tout seul en fait. Ah c'est quoi ça? Oh Papy Mojo. Oh non, reste sur la plateforme. Ouais. Faut que je fasse simplement mon chou en fait. Papy Mojo, pour l'instant, reste sur mon dos, on va voir ce qui se passe, ok? Ok. On va faire comme avant, c'était bien. Non, non, non. Vous pouvez parler du jeu, hein, votre ressenti pour l'instant. Eh ben, c'est un très beau jeu de plateforme, c'est gratuit sur Wii, ce jeu. Non. Ouais, à peu près 30 euros, je pense. C'est dommage. Au début, il était à 70 euros, je crois. Ah oui, mais c'est pas grave. Et c'est à chaque début de jeu... Du moment qu'il y a la HD, voilà, c'est toujours 70 euros. Papy Mojo de retour. S'il n'y a pas la HD, c'est 40 euros. Hein. Voilà. Quand même. Ah, bien joué, Papy Mojo. On sent toute l'expérience du Papy Mojo, là. Ah, et Oliver Plasma. C'est quoi ça? Oh, ouais, bonus. Oh non. Là, on a fait vraiment du grand n'importe quoi. C'est chance, man. Alors là, c'est chance, man. Fireflame n'en croit pas, il en croit tellement pas qu'il dit rien, il dit plus rien. C'est pas possible, c'est incroyable. Incredible. On s'en fout. On s'en fout des vies perdues, on s'en fout. Bon, tu peux venir. On s'en fout pas, finalement. Tu viens me sauver. Papy Mojo de retour. Allez, je te porte. Ouais, allez, c'est parti, on y croit. Attends, là j'attends que la plateforme va de l'autre côté. Allez, Oliver Plasma. Oh, ça c'est pas mal. Oliver Plasma. Ça c'est de l'intuitation. Ça c'est de l'intuitation. Ah, c'est dur à dire. C'est quand même... Wouah, non. Et je vais revenir tout à l'heure car je vais... dans un endroit intime. Oui, on le sait. Que la force... avec Papy Mojo et tout. Oui, tu vas au chat, c'est ça? C'est pas vrai. Voilà. Cette concentration là. Ça se trouve, je vais réussir le niveau sans Papy Mojo. Enfin, avec Papy Mojo sur mon dos, c'est juste. Tout simplement. C'est quand même vraiment des niveaux quand même relous. Il est quelle heure là? J'en sais rien. Il est 18h34. Et oui, et nous sommes toujours en direct. On a menti, hein. Il est pas minuit, non.
Ouais, on n'est pas des fous. Hein. Au sixième niveau, il sera peut-être une épopée là. L'épopée. Et je vous rappelle que nous sommes à ce troisième niveau depuis 12 minutes maintenant. Ça peut aller. Et donc c'est encore pas ça, mais on voit qu'on va pas encore aux trois quarts du niveau, je pense. On est encore loin de trois quarts du niveau. Là, on n'est pas à la fin. Wow, ça c'est beau, j'ai récupéré le cœur pour me faire toucher après. Là, c'est vraiment le passage le plus chaud, à mon avis. Pour avoir une phase d'invulnérabilité. Peux-tu revivre, s'il te plaît? Merci. À ton service. Maintenant, reste sur moi. Papy Mougeau, c'est une grande personnalité, Papy Mougeau, et on le voit là. Ah oui, il veut faire vraiment les niveaux tout seul, hein. C'est Cranky Kong. Hein. Cranky Kong, c'est pas rien. Purée, non, fais rien. Attends que j'arrive. Purée. Le challenge, c'est de dire des ordres à Papy Mougeau. Papy Mougeau, mais c'est un vrai branleur ce Papy Mougeau, tu l'auras pas comme ça. C'est quoi ce hibou là? Attends. Wouah! Ouais, bien joué! Ouais. Là, on est vraiment en fond dedans. Non, il a pas réussi. Wow. 39 vies, hein! On s'en fout du moment qu'on réussit. On s'en fout. Oh là là! Oh là là, c'est hard! Bon, c'est pas mal du tout! Oh là, Donkey Kong là est vraiment fort. Allez, Oliver Plasma. Attends, je reviens. Donkey Kong alias Oliver Plasma, si vous vous en doutez. Faut toujours le savoir. Bon, on attend que le tonneau vienne vers nous. Allez, Oliver Plasma. Ah, ok, et le tonneau vient. Attends. Je pense que ça peut vraiment le faire. Bien joué. Oh oui. Oula, j'ai peur. Ouais. Ah, ah. Non. Bien. Ah. Non, je savais qu'il était trop juste. Il était trop juste. Ah, ils sont hard ces niveaux. Hard jusqu'au bout. Et on voit que ce niveau est plus long quand même. Oh purée. Ah, c'est hard quand même. J'ai jamais vu un jeu aussi hard en 2014, je pense. Sérieusement. On se croirait revenu sur la NES là. Là, je me concentre. Je vous laisse apprécier la musique et moyenne. Non, je rigole. Une musique épique. Oh, purée. Heureusement, on avait une deuxième chance, là. C'est ma concentration, là. La concentration du grand singe. Ouais, c'est la concentration. Non. Je fais le niveau tout seul là, je me concentre à fond. Je vais pas faire le con. Ça fait exactement 13 minutes 30 qu'Oliver Plasma galère sur ce niveau. Il va péter un câble bientôt. Et ouais, je pense que ça va être trop juste. Je pense qu'on va arrêter la vidéo. Non, pas encore ça. On va se faire un barbecue et on va arrêter tout ça. On fait pas de contraintes encore. Ah oui, c'est vrai. Ah là là, ça sent vraiment la cuisse de poulet dans ce niveau. Plutôt la cuisse de singe. C'est vraiment terrible. C'est vraiment très marrant. Tu te fous de ma gueule? Oh, j'ai eu de la chance. Alors là, c'est concentration hein, pour le dernier tonneau. C'est toujours le plus compliqué, le dernier tonneau, puisqu'on est en mode stress. Ouais, mais là, t'es quand même au début du niveau, donc il n'y a pas de quoi être stressé. Mais même le début, on est stressé. Là, c'est vraiment le passage le plus hard, à mon avis. C'est le passage. Ça, c'est bien joué. Ouais, ça, c'est pas bien joué, mais on s'en fout. Du moment que je suis invincible, là, pendant ma zone de invulnérabilité. Hein. Enfin, mon temps d'invulnérabilité, eh bien, je peux passer tranquillement sans me faire tuer. Oh. Ah non, j'ai pas le droit de faire ce saut là. Puisque j'ai Cranky Kong sur moi et je risque de tuer l'oiseau. Même s'il a une protection.
Non. Putain. Ah. Le cri de... Non, non, mais... C'est la concentration, là. Il faut juste que je regarde mieux l'écran. Et dans cette partie 2, je pense qu'on... On va finir ce troisième niveau et après on va arrêter. Et Oliver Plasma fera sûrement la partie 3. Ouais, parce qu'on voulait le faire tout ça du premier coup, mais en ouais, fait mais c'est ouais, ouais, c'est trop hard. Donc on préfère faire plutôt des espèces de let's play. Il est pas assez en forme en plus. On voit sur son visage, il est trop tendu. Je suis trop fatigué. Il a une barbe de 3 jours. C'est énorme. Hein. C'est vraiment un grand investissement. Tu regardes le jeu là. T'as vu, t'as perdu. Non, j'ai regardé le jeu, mais au moment où je suis tombé. Allez, concentration. Non, mais là, c'est vraiment épique. Là, il faut mettre une musique épique en fond. Et... D'accord, je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ah, mais qu'est-ce que... Oh là là, papy mou. J'ai rien fait, hein. Je pète un câble. Il te reste 30 vies en plus, hein. Je commence à faire n'importe quoi. C'est peut-être là que Papy Moujo doit réapparaître. Le joueur professionnel, Papy Moujo. Tout le monde y croit sur la chaîne. Oh non. Papy Moujo. Vous, tous les abonnés, croyez en nous. Papy Moujo, oh oui. Oh oui, ça croyez c'est du vrai Papy Moujo. Soyez fan de Papy Moujo. Ouais, sur sa page Facebook en plus. Il est en couple avec Mamie Mojo, qui fait des sacrées tartelettes. On n'a plus rien à dire de ça. Pour dire ça, ouais. Ah purée, c'est... Mais c'est ce qui fait l'avantage de notre chaîne. Voilà, en fait, on est vraiment pas drôle que... Tellement pas drôle que, voilà... Ça nous rend différent. Allez, Papy Mojo. Papy Moujo, oh, enchaînement de Papy Moujo, il a peur de rien. Mais il va revenir. Ouais. C'est sûr, il a pas peur du vide. Oh non. Mais non. Il faut pas. Quand vous voyez que vous êtes seul. Ouais, Papy Moujo, il joue pas assez collectif. Quand tu vois Firefly que tu es seul, ne tente rien. Attends-moi. Oh, voilà pourquoi je dis ça. Sois sur mon dos, c'est mieux. C'est vraiment épique quand même. Ouais, j'ai failli tomber. C'est encore des notes du premier Donkey Kong Country quand même. Parce que David Weiss fait toujours des belles musiques. Ouais, on se concentre là. On est à 28 minutes. Oui, mais ça fait que 18 minutes qu'on est sur ce niveau 2. Niveau 3, pardon. Ouais, parce que quand même, on a mis un peu de temps à faire le niveau... Bah, 10 minutes. Ouais. On a quand même mis beaucoup de temps à faire le niveau 10 minutes 2, ouais. Plus les... 20 autres minutes de tout à l'heure, ça fait une demi-heure pour le niveau 2, bon je m'en fous. Ouais, tant que t'y arrives mon lapin. Attends, c'est principal. Je vais faire une technique là, voilà, allez, revis. Revis, vite, fonce sur moi. Allez, prends pas ton temps. Voilà, c'est bon, comme ça on a récupéré un cœur, tu vois. Allez, Papy Moujo, il y va tout seul, c'est une décision qu'il a pris tout seul. Et... Il a vraiment des mauvaises hormones en ce moment. C'est vraiment un gamer dans la peau là. C'est Papy Moujo quand même. C'est pas rien. C'est le premier Donkey Kong. Ouais. Là, t'as jamais dit aussi moi, donc je te laisse tout seul. Voilà. Si on le fait avec Diddy Kong, sérieux, ce niveau, ce sera vraiment plus simple. Et ouais. Et Papy Moujo, c'est vraiment l'authenticité de Papy Moujo qui nous a séduit. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est un vrai personnage, celui-là. Oh, oh purée.
Ah non, non, j'ai pas trop envie. Oula. Heureusement qu'on peut se rattraper lors de ces sauts. C'est vraiment hard, mec. Papy Mojo est fatigué. Oh purée, je savais même plus qu'il y avait ça. This is a fire. Oh, oh. Oh, mais c'est quoi ça? On a déjà... Mon oui. Dieu! Oh oui! Mon Dieu! Oh oui! Dieu. Il est arrivé! This is the final! Jésus est né! Nous y avons arrivé encore une fois! Oh. Hey, check ça! Ouais! On a terminé le niveau 3 et nous nous envolons vers le niveau 4! Eh oui! Et nous allons faire tout de suite une nouvelle difficulté pour plus de fun, d'aventure, voilà. Religieuses, voilà. Vous avez obtenu une relique mystérieuse, oui. Et voilà, donc maintenant, nous nous attaquons au monde 4, niveau où 4. Il y a un niveau kaki, qui va vraiment être aquatique. J'ai vraiment peur de ce niveau, parce que on a vraiment quand même fait vraiment des niveaux très complexes. Surtout le niveau 2, où j'étais vraiment bloqué. Ah ouais, il s'est surpassé, je vous le dis, moi. Vraiment jamais un homme exceptionnel. Moi, ouais, en tant que joueur pas terrible, tu peux te la fermer. Oui, merci. Je veux dire, mais c'est le même niveau à chaque fois, il déconne quoi. Mais non, mais c'est juste l'environnement qui est pareil. Pourquoi il change pas d'environnement là? Non, puisque c'est les niveaux K, c'est les niveaux spéciaux. Enfin, même si c'est dommage qu'ils font pas des environnements différents. Parce que normalement, c'était sur le sable le niveau. Ouais. C'était à la plage, ouais, pour tout apprendre. Ah, là, ça semble le niveau à engrenage. Ça va être un niveau relou aussi, encore une fois. Oh, il y a la petite musique, là, c'est vraiment la musique de show. Oh, yeah. Papy Mojo. Attendez. Il envoie. Papy Mojo, il a... Oh, il a somme le pingouin. Papy Mojo, il va crever. Le pingouin. Papy Mojo, le pingouin. Papy Mojo, oh là là, quel professionnel. Oh, non. Là, par contre, je sais plus quoi faire. Oh, bah, je le prends. Oh, Papy Mougeot, oui. Papy Mougeot, il prend sa liberté. Oh, Papy Mougeot. Oh là là. Ah non. Oh, non, purée. Attends-moi, mon chou. Ce niveau me semble moins compliqué. C'est qui ce bolos, là? Je sais comment avoir cela. Les gros morses avec leur... Ah, d'accord, Papy Mougeot a juste sauté par-dessus. Il fallait faire ça. L'intelligence de Papy Mougeot. Oh, purée. Mais ce niveau, il est vraiment bien. Ah, c'est... C'est ça qui fait la spécificité de jeu. Des niveaux spéciaux, spécifiques. Et des ennemis à la con. Oh ouais, c'est que la première fois. Hein. Ah non, mais là, on est quand même allé loin. On est quand même allé loin pour la première fois. Mais on a quand même que 18 vies maintenant. Non, mais je peux en acheter. Hein. On a tellement de pièces aux bananes. Ouais, t'es un vrai Raichu comme mec, attention. Ah bah oui, j'ai un peignoir. Ouais, un peignoir bleu qui... Voilà. Attention, c'est quand même quelque chose, ce talent que j'ai en moi, de tomber tout le temps dans un trou. Oui, c'est un trou noir, vous voyez, un trou noir, c'est... C'est bien, moi je suis un joueur patient. Je tombe tout le temps, mais je m'énerve pas. Fireflav, lui, c'est sûr, il s'énerve jamais. Ah non, parce que je joue jamais aux jeux de plateforme. Fireflav n'a pas l'habitude. De la frustration que ça donne des fois. Vous voyez, sur GTA, vous faites tuer après avoir tué 50 flics, vous avez pas de... Et vous avez pas sauvegardé il y a un moment. Et puis sur GTA, quand t'as fini l'histoire, bah, c'est que du fun. Pas comme quand... Mais là, on a plus que 12 vies, mon ami. Non, mais attends, Firefly. Je vais garder Cranky Kong. Je vais garder Cranky Kong parce que vaut mieux ça. Belle stratégie d'Oliver Passman. Ouais, reste sur mon dos. C'est la stratégie la meilleure. C'est la meilleure stratégie parce que bon, le talent de Fireflav, on peut s'en passer. Oh non! Sinon, on triche un peu, hein! On triche un peu, hein. C'est comme le mode Super Kong, hein! Le mode Fireflav. Faut vraiment faire gaffe. J'ai pas envie de tricher. Parce que je sais que Fireflav est un très bon joueur et j'ai pas envie qu'il fasse tous les niveaux à ma place. Tu disais quoi? Oh là là là! Oh là là! Beau gosse! Attention, Papy Mougeot qui se lève. Mais Papy Mougeot, il a perdu rien, Papy Mougeot. Oh là là. Oh, une pièce de puzzle. Eh merde. Oh.
Arrête de tirer. Oh purée. Ah, mon retour de Papy Mouchou, je le sens bien. Papy, il était presque. Je t'attends patiemment là. Oh là là, de la 3D. Oh, oh de la 3D. Mon dieu. Ouh là là. Comment avoir toutes ces bananes? Que c'est moche. Oh, le Seigneur des Anneaux. Oh, t'es sûr? Oui, 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 c'est beau le Seigneur des Anneaux d'habitude. Alors, là, c'est quand même un très beau niveau graphiquement. Attends, attends, mon chéri. Je sais pas sur quelle oh, plateforme. Oh, Papy Mojo, bien joué. Allez. Ouh, y a oh, que... Papy Mojo. Attends-moi, Papy Mojo. J'arrive. J'arrive. Mon dieu. J'aurais dû appuyer plus tôt. J'aurais dû appuyer plutôt. Tu vas être pédé. C'est pas possible. Ça, ça devient vraiment n'importe quoi. Ah, quand même, on est à 35 minutes. J'ai cru qu'on allait être à 45 minutes. Et non, et non. Ouais, on met pas tant de temps que ça, celui-là. On est quand même en... Bah, on est quand même à 5 minutes. Hein. On est quand même à pas mal de vies perdues, mais quand même. 5 bon, on va bientôt acheter des vies. Hein. La prochaine fois, là, je vais acheter des vies. Ah, Papy Mojo, non, que... Papy Mojo, me fais pas ça. Il est parti tout seul, là, encore. Papy Mojo. Ah, il a peur vraiment de rien. Un ennui. Il me fait vraiment stresser des fois ce pépé quand même. Je me demande ce qu'il va faire, une crise de cœur quoi. Oui, oui. Une crise cardiaque, voilà. Il a peut-être trop de cholestérol. Après tout, il faut de l'oméga 3. Après tout le sport qu'il a fait, je pense pas qu'il a pas mal. Une vie, bon bah, va faire des achats. Attends, j'ai... Vous allez voir comme ça l'apparition de Funky Kong. Le Funk. Le seul Funk Kong. Oui, le Funk, le Fuck, le Funk, le Funk. Il fait des fucks. Voilà. Fuck, ouais. Non. Non, il adore la musique un peu rasta. Et... Parce que c'est fun. Alors voilà, là c'est un niveau de la pieuvre, mais on peut pas faire. Un niveau assez hard aussi, mais bon. C'est un peu de la rigolade face au niveau K quand même. Et avec. Voilà. Bon, magnifique temps de chargement, hein. Vous voyez, voilà, le DK pendant un moment. Et c'est parti, on va acheter plein de vie. Ballon rouge, vert, bleu, etc. Allez, on fait... Non. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai non. acheté une vie. Non, il faut en acheter plein. Quoi? Ah là. Ah là là. Il faut se remplir les poches. C'est un vrai richou, hein, ouais. Ah bah, regarde toutes mes pièces. Ouais. Je m'en fous, moi. Ça se voit vraiment qui roule en Twingo, là, c'est énorme. Ah, je rappelle qu'en ce qui concerne le matos, Funky est votre fournisseur exclusif. Il ne vend pas que des vies. Ah, il vend aussi, vous avez vu, des ballons verts, c'est pour... bah tiens, on va peut-être en utiliser pour tricher un peu. Hein. Oh non. Merde, c'est pas de risque, ça. C'est quoi déjà? Ah, il faut juste appuyer dans le niveau, il va ralentir. Et donc là, on peut prendre soit des ballons verts, impossible d'équiper cet objet en mode de joueur, d'accord, c'est super. Rang, l'eau, ça sert à rien. Ça, c'est pour avoir les puzzles, ça sert à rien. Donc on va peut-être se remplacer un petit cœur, parce que on aime avoir un cœur en plus. Mais oui. Et Firefly, c'est comme un cœur de lover. Bon, allez, il s'en fout. Allez, bon, il a pas pris son cœur, mais c'est pas grave. On est parti. Concentration. Parce que j'ai remarqué que dans ce niveau, on se fait quand même pas mal buter, hein, pas mal toucher. Et voilà. Vous devez en avoir un peu marre de cette musique, peut-être. Eh oui. Ça fait depuis un moment qu'on l'a dans les oreilles. Bon, attention là. Faut prendre la première plateforme. Descendre à celle-là, remonter vers la gauche. Oh là là, ici comment quand même. Oh non, Papy Mojo, non, Papy Mojo, fais pas ça. Papy Mojo, pense à ta famille. Oh là là, sacré Papy Mojo. Hein. Papy Mojo, c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Mais non, il a tiré trop tôt. Oh purée, j'ai plus de vie. Oh purée, les abeilles de merde. Et je voilà. Me disais dans ma tête en plus que les abeilles ne sont pas trop gênantes, mais en fait, voilà, elles sont un peu gênantes quand même. Bon, tu viens ? Allez. Là, cette fois-ci, c'est... Magic System ! Même pas fatigué.
envie de bander. Oh. C'est les fausses paroles de Mathis. C'est voilà. Si vous avez encore le courage de regarder jusqu'à là, à cette vidéo, et bien franchement, vous ratez rien. Vous ratez rien car vous avez entendu Firefluff qui pète un câble. La plus belle phrase, une phrase pleine de poésie. De Fireflav. Dans Fireflav Maniac. Mais aussi Fireflav Super Maniac. Oh. Attends, on va le transformer en pièce. Oh, appuie sur C. Papy par ça. Mais qu'est-ce qu'il oh, fait là, Papy Mujo s'est sacrifié pour son fils. Ouais. J'ai plus qu'une vie. J'ai plus qu'une vie. C'est vraiment la fiesta. Ouais, là, c'est la concentration. Ah non, franchement. Ouais. Allez, contracte tes biceps, tu vas y arriver. Voilà, allez, la magnifique prenez. Oh yeah! Oh non, Papy Mojo! Oh, putain, à chaque fois ça me les casse les burnes, mes burnes! Ah là 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 là! Ça me fait chier de jouer à ce jeu! C'est pas possible. Je me fais toucher dès le départ, c'est trop fort. Bon. Non. Bon. Voilà, quand on pète un câble, on devient nul. Pour la petite info. Voilà. C'est vraiment un jeu pétage de câble. Là, quand même. Ah, y a toujours Papy Mojo en jeu là. Mais attends ton Papy Mojo. Pourquoi? Bah voilà, t'as perdu. T'avais pas Papy Mojo. Non, c'est parce que j'ai fait n'importe quoi. Ouais. Ah ouais, si. C'est parce que Papy Mojo n'était pas avec moi. Et... Voilà, voilà, si la. La vidéo dure plus de 45 minutes, c'est-à-dire ouais, parce qu'on va arrêter à chaque fois voilà. Au bout de 40 minutes. Et vous retrouvez la suite du niveau dans la partie 3. On va quand même péter un câble dans les voilà. Autres parties parce que. On va faire en continuité. Bon, et c'est la dernière, on y croit, avant la partie 3. On verra tout simplement. Oh, j'ai failli tomber comme une merde. Bon. Ce qu'on sent là, c'est direct la plateforme. Donc là. Voilà, c'est simple. On aime bien aller à gauche. Oh soit dans le ring, Papy Mojo. Bon, là, Papy Mojo ne sort pas de mon dos encore. Ne fais pas de ma boule. Voilà, c'est bon. Bien joué, Papy Mojo. C'est bien joué, Papy Mojo. T'as rien foutu. Oh. C'est pas le moment que tu... Que... Oh là là, oh là là. Là. Du je moment pense que c'est la fin de cette vidéo. Vous retrouverez les aventures d'Oliver Plasma et de Fireflav dans Donkey Kong Country Tropical Freeze. Partie 3 et la partie ultime peut-être. Ou peut-être qu'il y aura 10 parties non, pour je les pense 7 qu'il y aura 10 parties. Mais Oliver Plasma va nous dire le mot de la fin. Alors oui, pour de nouvelles aventures avec Fireflav, la star du hip-hop.